pas danser comme des dingues. Comme si c'était ouf. Dis-moi la guarana. Non mais sérieux, juste jouer un rôle, vous guinchez comme des ouf. Ah, bof. Allez, merde! C'est pas compliqué! Bah ouais, mais bon, soyez sympa! Pourquoi comme ça, c'est pas Bonsoir, bonsoir. On peut pas faire une émission avec ça, le son il était trop pourri quoi. Il était trop pourri quoi. Déjà John McKay avec du bon son c'est pas terrible, alors là avec un son pourri. Il vaut mieux mettre Chris je pense. Ok. Comment tu fais ? Chez nous, c'est le salon là. Voilà. Salle de bain est derrière à droite. Derrière le sac poubelle, ouais, d'accord. Si vous cherchez les toilettes, on y arrive bientôt. Hein. We'll be right back.
Ah non, mais il le gère trop bien. Hop, je te le pose en douceur. Allez, tranquille. À travers le parvis, des plans fixés. Des plans irréels, où on dirait des choses bizarres, des choses pas vraies. Des choses intrigantes. Et on pourrait monter deux films, un film vrai et un film faux. Ce serait rigolo, non? Vas-y, filme pendant qu'on tombe dans la rivière. Guest, John McKay plus guest. C'est qui guest? C'est toi le guest? Je sais pas qui c'est, ça doit sûrement être des gros blaireaux. On est trop des stars. C'était pas sûr. Alors, retour sur le concert. Retour sur le concert. J'ai eu l'impression que, à un moment donné, il a pris la gratte. On est passé à un autre moment, pas longtemps après. Et après, après ça s'est enchaîné comme ça jusqu'à la fin. De plus et ça en plus vite. Et, ça s'en venu, et ça Romain n'en pouvait plus. Et j'étais plus un peu content. Je me disais, tu marches, tu crèves, cours maintenant. Ouais, mais moi, faut pas me demander de courir, j'adore ça. Non mais par contre des fois ça pue un peu ce qu'on joue quand c'est trop vite. Ouais. Bon, ça, Chris ça l'a fait, le public rouennais. Je voulais dire moi, ils sont un petit peu mous. Ouais, il y a deux gars qui m'ont remercié. Ouais, c'est clair, le videur, tendu quoi. Il est cool le videur. Je l'ai rencontré personnellement, on a parlé. Ah, c'est ça après l'Austral de faire de la sélection. Il a quand même dit qu'il faisait du délit de sale gueule quoi. Il l'a dit, hein, clairement. Il est obligé. D'ailleurs, il ne rentre pas lui-même. Hein. C'est son taf, parce qu'après il a des problèmes. Sous prétexte que c'est son taf, on doit être son pote. Mais non, c'est Aurélien, ce monsieur, c'est quelqu'un comme toi et moi qui fait son métier. Alors laissons les gens travailler, faire un métier en paix, tranquillement. Ne pas rentrer dans l'emporium parce qu'il veut une image de marque. Ça veut dire l'emporium ne correspond pas aux Arabes. C'est vrai, c'est pas faux. Emporium, mais c'est pas toi, t'as le droit d'y jouer, alors ferme ta gueule. Les Arabes bien propres, bien riches. Tout à l'heure, il y avait un rebeu devant qui disait qu'il cherchait à moitié l'embrouille. Mais c'était son pote. Mais non, il dit jeune homme, je vous laisserai pas rentrer. Écoutez, arrêtez, je vous demande d'aller plus loin. Bonne soirée, monsieur. Je vous demande de vous en aller plus loin. Ah ouais ? On a appelé monsieur. Ouais, ouais. J'ai pas vu ça. Mais non, mais c'est. On y retourne, on le défonce, le mec. On va lui expliquer un peu ce que c'est. C'est quoi le nom? Putain, ça. Et moi, il m'a empêché de sortir avec ma bière. Et du coup, je me suis fait 40 ma bière que j'avais posée sur le bar. Pour regarde. Ouais, elles sont bonnes, les gars. La réussite est bien, ouais. Ouais, y'a. Merci au régisseur, à la régisson, au machiniste, au premier machiniste. Et à la... Tu râles beaucoup quand t'es au volant. Ouais. T'insultes les autres conducteurs de pute, de pédé, et ça plairait pas trop à ton pote Guillaume. Et moi je trouve ça un peu limite aussi. Toi t'es toujours tellement cool et tout. Et là tu te conduis, tu te métamorphoses en un mec un peu désagréable. Et alors ben alors
serait bien que tu finisses d'ailleurs. Ça se passe plutôt bien la route sinon. Hein. À droite, putain. Oh ça y est, putain, tu chier, cher merde. On est. Oh le putain. Trou, là 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 là. Ah là là, mais n'importe quoi. On risque notre vie tous les 10 mètres. Nous a expliqué ce qui se passe. Tu sais que demain, ouais, alors si tu veux, ça, tu vois ça, ça s'appelle un porte-fusible. Tu vois si tu peux voir comment il est pété. Ouais. Là, tu vois, c'est pété. Donc le fusible ne peut plus tenir. Donc si le fusible ne tient pas, les fils ne peuvent pas se toucher. Si les fils ne peuvent pas se toucher, l'électricité ne peut pas arriver à l'autoradio, on ne peut pas avoir de musique. Donc on a plus de musique. Voilà, donc je me lève à 9h demain et puis je répare. Qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, regarde, je j'ai pris la porte dans regarde, la gueule. La porte. Alors voilà. Alors t'avais Giovanni en train de faire la bruit. Ah bam. C'est ça. Et là c'est le drame. Et là je suis venu. Et là j'ai soigné mon petit Giovanni parce qu'il était pas bien. Il m'a dit, oh ça doit faire mal ça mon petit Giovanni. Il est gentil. Il est gentil. Il est mignon. Ça va aller? Ouais. Ça va le faire? Carrément. C'est qui c'est Tobal? Bon là on assiste au plus grand drame de l'histoire des mecs. Là ça va mieux. Ça va mieux? Bah je viens prendre le cap, Giovanni. Ça c'est bon. Eh bien non mais bravo. Ah fais gaffe, j'ai vomi. Il sait plus d'où il vient. Mais il sait où il va quoi. Ouais, c'est ça qui va pas du tout. Non mais là arrêtez là. Arrêtez les squats. Hein. Non là c'est trop. Parce les gars. Mais non c'est pas trop. C'est jamais trop. Là je suis dans un moment de faiblesse. C'est l'amour. C'est l'amour les gars. Et toi tu sais toi. Viens 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 Romain. Toi tu le sais. Toi tu le sais parce que... Tu le sais tu vois. Et lui il le sait aussi. Et je lui fais un gros gros bisou. Bon pour le téléphone.
attends. T'as fermé le camion, gros. Je suis en train de le faire là. Non, je peux pas. Je suis en train d'assumer pour tous ces blaireaux. Ouais, parce que là, c'est la merde. Regarde-moi, c'est le mec. Ou alors une bière. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé, Christobel, en fait? J'ai trop bu. Et du coup, t'as le droit de bouffer tout ça. Voilà. Alors, conclusion. Conclusion, si tu vas être bien accueilli, il faut être très bourré, quoi. Eh, la porte, elle m'a fait mal, mon pote. C'est bon. Bah, en fait, j'ai une grosse bosse de ouf, là. Là. Ouais, je la sens, là. Je la sens dans la caméra. Eh, passe ton doigt, là. Passe ton doigt, Joe. Chris. Oh, ah ouais, t'as un œuf de caille. Un œuf de caille, ouais. J'ai un hématome cérébral et ça tout le monde s'en fout. Un hématome cérébral. Et ça a grogné, ça l'arrange bien. Ça. Hein ? Chris, on va y aller ? Ouais. Tu sais où on va ? Non. Jamais si on allait. Trop glodite ? Moi j'ai très mal à la mâchoire. Je sais pas ce que j'ai un truc là et je peux plus manger. On est, tu sais où on va ? Un certain village trop global. Angers, super loin. Super loin. Estimation, route 5 heures. 6 heures. Ouais. 6 heures. 7 heures. 7 heures. On est dans la merde. Ouais, 6, 7 heures, ouais. On va appeler au Troublon, on annule, non? Moi, je ne prends pas de kebab. Le kebab, je dis non. Bravo, là, parce qu'à un moment, ça suffit pas comme ça. Toi aussi, tu prends un kebab. Trois kebabs. Moi, je prends trois kebabs et deux grandes frites. Foiré. Hier c'était super bien, il y a des gens super sympas et tout, c'est vraiment très chouette, il fait trop beau. Enfin tout va bien, sauf que moi j'ai hyper mal à la mâchoire, un truc de fou. Je sais pas si c'est l'oreille ou la mâchoire, mais ça fait très mal. J'espère que ça va aller mieux. Allez hein. Job. Get to the roof. Kissing in the pile and in the fire.
Oui, donc c'est un peu le bordel. Un petit peu. Nous allons à l'atelier de sérigraphie. René s'est cassé déjà. Attention, René. Soirée d'hier. Alors hier on était à Tours, on a failli aller chez Alain ou Napoléon, sauf qu'au dernier moment on s'est dit qu'on allait aller chez Alain, Alain au Lilo. Parce que... Alors le Lilo c'est une boîte de nuit tout à fait, qui ouvre d'habitude le week-end mais qui ouvre exceptionnellement les autres jours pour accueillir des associations qui organisent des concerts. Alors on était ravis d'y retrouver Alain qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il n'y avait pas beaucoup de monde, Alain s'est un petit peu énervé. Résumé, on t'a donné. Il s'est même carrément énervé, c'est un peu le dernier concert qu'il y aura là-bas. Ouais, malheureusement, on a un peu plongé l'association dans un chaos pas possible parce que on les a forcés à nous organiser un truc, un lundi, ce qui... On les a bien plombés, quoi. Ouais. La fin de l'histoire, c'est qu'après, donc, après, on a tout plié, ils se sont fait engueuler, on est reparti. Et puis on est allé chez JB et Marine et JB et Noéline qui habitent tous les quatre dans leur maison et dans la campagne. Et c'était bien, c'était une chouette maison. On a mangé végétarien. Ouais. Et après on s'est couché. Avant de se coucher, on a débattu de politique avec Charles et Gronet. On lui en mettant plein sa gueule à ce petit Gronet parce qu'il disait plein de conneries. Alors voilà, du coup on lui en a mis plein sa gueule. Un truc à dire pour ta défense. Alors pour ma défense, vu que je dis jamais de conneries, je vois pas comment ils peuvent dire ça. En gros, ça tient pas debout ce que vous dites. Génial, merci, c'est bon. C'est toi qui tient pas debout. Viens nous donner encore une fois raison. Qu'est-ce qu'on pense ? Ah Chris, je te vois pas, attends, je vais faire un petit réglage. Voilà. Ça va ? Ça va, ça va, top. Tu en penses de quoi ? Top, il se moque. J'étais pas là, moi je dormais pas. T'es battu de ma politique. Thank you.
prochaine date, Lalo, c'est où déjà? Alors, la prochaine date, c'est Grand Canyon. C'est-à-dire qu'on se retrouve directement propulsé du côté de pas fond du Colorado. Enfin, je veux dire, je suis jamais allé. Hein. Ça va être une grande première. C'est pour ça que la lampe est de rigueur. Enfin, je joue rouge ou blanc selon la saison. Et si je me suis bien... Je me suis bien démerdé. Je crois que tu t'es mal démerdé. Ah, merde. Donc c'est peut-être mal barré, on va faire pour le mieux. On sera bientôt arrivé, Inch'Allah. Excuse-moi, pour aller à la gare. Où? C'est par là? Par le jaune. Ah. Vous savez où se trouve la gare? C'est par là? C'est pas le... Est-ce que tu connais le Raymond Bar? Personne. C'est loin? Cherche la gare. Le Raymond Bar, tu connais? Oh putain, je connais pas le Raymond Bar. La zone. Eh ouais, c'est moi qui filme. Ah, c'est la première fois que je tiens la caméra depuis le début du concert. C'est la cuisine. C'est la salle, je sais pas, pas super sombre. De quoi tu veux parler, hein?
vas à Millau, n'oublie pas de cramer le McDo. Ouais, alors le colle pas trop lui là-bas. Elle roule moins vite franchement. Là ça vaut pas le coup. Une demi-heure pour arriver en bas. Déjà. On va faire un petit peu les bandons. Là on est en retard, non? Non. Il est 4 heures moins là. C'est d'avoir pour un équipe de caps. On est arrivé dans une phase du voyage où on en est à un point où il est trop tard pour dire qu'on a... Ben voilà, c'est trop tard. C'est plus la peine de le dire, je crois. Regardez-moi ces crevards. À peine arrivés, ils mettent la main au panier. Alors le sandwich le plus rapide, vite. Romain, dépêche-toi, tu n'as plus que 4 secondes. 3 secondes. We'll be right back.
fabriqué, qui a conçu ce pied de grosse caisse? C'est le pied de la caisse claire, ça, en fait. C'est quelqu'un qui est pas fan, pareil, qui est pas fan. Ça fait boum boum, quoi. Perdu à Montpellier. Tu veux dire ? Eh, bande de fils de. Eh, ils font quoi, sérieux ? Tu redis plus jamais ça, pardon. Fils de prolétaire. Ta 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 ta. Le monde est mon. Tourner les gars. Pas que ça s'arrête. Bon, on remonte la rue alors. Oui, il va falloir faire un débriefing aussi. Là. Ouais, débriefing. Ah ouais, mais non. Vas-y, les gars. Jusqu'au bout, hein. On aura bien rigolé. Hein. Merci, Smo, d'assumer. Merci, monsieur Sarkozy, qui nous permet de faire des tas de trucs comme ça encore plus. C'est ça, clair, et en alpha, on est bien sûr. Les gars, ça va le faire, vous êtes pas trop serré? Non. Ça va aller? Ça va. Tout c'est gentil de s'en soucier. Moi, sinon, vous pouvez me faire des trucs, hein, mais j'entends. À l'avant aussi, ça va, tranquille. Moi, ça va, là, je suis pas mal, j'ai de la place. Bon, les kikis, hein. Mais on n'est pas des kikis. On n'est pas des kikis, nous. On n'est pas des kikis. Ça passe mal. Oh, si ça passe, sinon. On voit pas la l'eau. Laisse la l'eau, faire. Salut, on va tout le monde. We'll be right back.
Allez, tomate, t'es parti jusqu'au bout de la nuit là.